Le fair play britannique vient de voler en éclats. Jeff n'a même pas laissé gagner Bernadette. Quelle belle finale nous allons vivre avec deux acteurs de ce niveau. Un casting international, deux personnalités très différentes, mais toutes deux attachantes. Oubliez vos activités pendant 30 minutes. Vraiment, ça vaut le coup. Générique. Bonjour à tous. Oh, j'entends les applaudissements de l'autre côté de la frontière, côté belge, mais aussi de l'autre côté de la Manche. Voilà, c'est un beau match qui se profile aujourd'hui, une troisième manche, bien sûr. Ariel et Bertrand, bonjour. Bonjour. Nous sommes aux anges. Oui. Et nos candidats dans quel état? Nous sommes aux anges. Hein? J'ai réussi à le dire? Oui, très bien. Et nos candidats dans quel état d'esprit sont-ils? Bernadette et Jeff sont avec nous pour cette troisième partie. Troisième manche. Bernadette. Comment ça va? Mais très bien. Très bien. Contente d'être là. Ouais, il y a eu sur la deuxième manche, allez, un tout petit passage à vide. Tout le monde dans les chiffres, oui. Ouais, ouais. Et il est bon en chiffres, hein? Oui, très. Mmh. Hein? Il n'est pas mauvais en lettres non plus. Oh, en plus, en plus. Bonjour Jeff, bonjour, ça va? Bonjour Laurent, ça va bien, merci. Bon, il y a une belle reprise en main, hein, pour la deuxième manche. Mmh. On sent la motivation du côté de Jeff. Bernadette aussi, mais voilà. On sent, oui... La volonté. La volonté de vaincre, ça c'est certain. Ah ouais. Et puis de décoter, un plaisir partagé de jouer ici sur le plateau, de jouer cette troisième manche. Compteur remis à zéro, c'est parti pour nos deux candidats. Et c'est à Jeff de choisir. Merci, une consonne. H. Voyelle. E. Voyelle. E. Consonne. T. Consonne. H. Voyelle. E. Consonne. R. Consonne. T. Consonne. R. Et voyelle. U. Jeff est sceptique. 7. 7. Bernadette. 7 également. Le 7 de Jeff. Heurté. Voilà, c'était le même avec les E. Après. Ah oui, nuance. Pour Bernadette. Bon, sinon, il y avait rhéteur. Hein, oui. L'orateur, voilà exactement, je cherchais le mot. Et puis uretère, c'est-à-dire le canal entre le rein et la vessie. Mm-hmm. Voilà, ouais. Et vous aviez commencé à taper têteur qui a été supprimé de nos dictionnaires. C'est un mot qui existe, mais il n'est plus dans nos dictionnaires. C'est un pêcheur de morue. Ah, d'accord. Le réflexe de chercher des mots en anglais, peut-être, Jeff? Non, vous ne l'avez pas du tout. Je m'entraîne à jouer façon française. Très bien. Non. C'est efficace. 7 points chacun, bien sûr. Coup de chiffre. 2, 3, 10, 100. 3 et 5. Bernadette. Le compte est bon. Jeff. Aussi. Allez-y, Bernadette. 3 fois 100 égale 300. 5 et 3 font 8.
300 moins 8 égale 292. Oui. Voilà, c'est ce qu'avait fait Jeff. Aucun problème. Regardons les scores. L'égalité dans cette troisième manche. Ça promet. Coup de lettre, Bernadette. Consonne. R. Consonne. M. Voyelle. E. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. O. Consonne. D. Consonne. L. Voyelle. O. Voyelle. U. Combien pour Bernadette ? 8 lettres. Jeff ? 7. En 8, Bernadette. Moulurée ? Oui, oui. Ou lourdeur. Lourdeur. Ouais. Jeff, c'était l'autre 8 lettres. 2. 2 8 lettres. 2. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Bernadette qui a trouvé, qui fait la différence avec moulurée, mot de 8 lettres, ce qui vous permet de passer en tête. Maintenant, 25 à 17 du calcul pour nos deux candidats. 9, 5... 75, 10, 4 et 8, 650. Jeff ? Le compte est bon. Bernadette ? Le compte est bon. Allez-y, Jeff. 75 moins 10, 65. 5 moins 4, 1. 9 plus 1, 10. Que je multiplie, 650. Oui, oui. Très bien. Une autre version pour Bernadette. Tout oui. va bien. Différentes méthodes, mais un résultat oui. identique à le bon compte. Et les 10 points supplémentaires. Bernadette mène pour le moment dans cette troisième manche. 8 points d'avance pour vous, Bernadette, pour nos deux candidats. Voici le premier duel. C'est un duel qui vient de l'Allier, Bertrand. Cône d'Allier, c'est Marie-Véronique Bell qui nous l'envoie. C'est un duel traditionnel, donc bon, vous allez chercher un nom composé. C'est un grand oiseau, oiseau étant entre guillemets en papier. Voici le tirage. F-T-O-A-E-R-L-N-C-V et bien sûr... Un cerf-volant. Le cerf-volant. Instantané pour Bernadette. Alors, papier, oui, le plus beau étant le papier de soie, mais il se déchire. Alors maintenant, il y a un papier qui s'appelle le Tinec, j'arrive pas à me relire. Il est léger, il est indéchirable, voilà. Et puis on peut aussi prendre de la toile de, du papier de toile de Spinnaker qui ne se déchire pas. Que dire ? Rappeler que cerf, ça ne vient pas du tout du cerf vidé, c'est un synonyme, c'est une déformation de serpent, hein, puisque effectivement là. La ressemblance est plus évidente. Et donc, bah, bien entendu, il y en a dans toute l'Europe, mais ça nous vient d'Extrême-Orient. Ça nous vient de, on pense de Chine en 400 avant Jésus-Christ. Le grand pays, c'est le Japon, déjà à l'époque des samouraïs. En plus, parce qu'il y a un bois qui est très important, qui est à la fois léger et solide, qui est le bambou, qui donne la structure, justement. Ça explique l'Extrême-Orient. C'est tellement important qu'à une naissance au Japon, vous faites un cerf-volant qui figure un poisson. Et il y a la fête des garçons le 5 mai, et à chaque foyer qui a un garçon, eh ben, il va mettre à la fenêtre
un cerf-volant. Donc vous voyez que c'est entré dans les mœurs. Évidemment, ça correspond à la conception animiste, c'est-à-dire c'est un objet sacré qui est entre la terre et le ciel et qui donc relie la terre au ciel et qui est, paraît-il, la distraction des dieux pour un certain nombre de pays d'Extrême-Orient. C'est à Dieppe qui est un très beau festival. Alors oui, il y a beaucoup de festivals, même en Europe. Ah oui, très très beau, hein. Magnifique. C'est Bernadette qui nous a donné la bonne réponse. Cerf volant sur ce premier duel. 5 points que nous ajoutons. Le score est actuellement de 40 à 27. Jeff, votre choix pour le mot le plus long. Consonne. R. Voyelle. E. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. O. Consonne. T. Consonne. R. Voyelle. A. Consonne. C. Et consonne. T. Jeff. 8. Combien Bernadette? 8 lettres également. Le 8 de Jeff. Tracteur. Oui, ça, ouais. Vous voyez bien. Bernadette. Torturé. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y avait 2 9 lettres difficiles avec rotacteur, c'est un commutateur rotatif. Ah oui. C'est un terme rotacteur. Technique, oui, un rotateur. Ben, c'est pas un gros tracteur façon bébé, non, c'est rotacteur. Rotacteur. Et l'autre, rotacteur. Carotteur. Carotteur, quelqu'un qui carotte. Qui alors, est-ce qu'il escroque ou est-ce qu'il fait, fait carottage? Dans mon dictionnaire, c'est qui escroque. Hein. D'accord, et ben très bien. Moi, je pensais au carottage, les carottages glaciaires. Eh bien, non. Non, c'est pas là, ça. Là, c'est plutôt le sens familier. Voilà donc pour les 2 9 lettres qu'il y avait sur ce tirage. Voilà, on valide les 2 mots de 8 lettres proposés par Bernadette et Jeff. 8 points supplémentaires, toujours le même écart. Voici le compte est bon. 6, 2... 8, 1, 10 et 5. 616. Ah, ça, c'est serré tout ça. Hein. Bernadette. 618. Jeff. 619. Ah, Bernadette. 6 fois 2, 12. 12 fois 5, 60. 60 plus 1, 61. Ouais. 10 fois 61 font 610. Et j'ajoute le 8 restant pour obtenir 618. Oui, vous n'avez pas vu la divisibilité par 8 si. Puisque 75 fois 8, 600. 70. Donc 77 fois 8. Ouais, ouais. Et tout s'éclairait, 5 plus 2, 7 fois 10, 70, plus 6, 76, plus 1, 77. Ah ouais. Tout s'éclairait, mais on n'a pas trouvé le rotacteur, nous, pour allumer la lumière. C'est ça, hein? Oui. Non, c'est ça. C'est là-haut, c'est pas bien. Toujours éclairé. Non, ouais. Bon, compte approchant pour nos candidats, mais plus approchant pour Bernadette que pour Jeff. Résultat, vous marquez les 7 points, Bernadette. Vous bénéficiez actuellement de 20 points d'avance avec un score de 55 à 35. On vous écoute, Bernadette, s'il vous plaît. Une consonne. S. Consonne. F. Voyelle. E. Voyelle. A. Consonne. C. Consonne. C. Voyelle. O. Consonne. N. Voyelle. I. Consonne. N.
Bernadette. Oui, lettre. Combien, Jeff? Aussi. Le 8 de Bernadette. Canonisé. Effectivement. Oui. Un autre pour Jeff. Façonné. Oui. Bon, et si vous voyez les 9, vous voyez les 10, ben oui, forcément. Voilà. Co-financé et surtout confiance. Des confiances. Eh oui. Voilà, on en manque aujourd'hui, voilà, c'est ça. Oui. Vous pensez, Bertrand? Ben, je ne sais pas, c'est dans l'air du temps. Ouais. Il aide le moral des Français à remonter, Bertrand. Bah, voilà, c'est un constat. Il y avait du 9, il y avait du 10. Vous étiez à 8. Bernadette et Jeff, les points supplémentaires pour vous. Toujours le même écart. Les 20 points d'avance pour Bernadette. Question, Jeff. Vous avez participé à notre petite sœur britannique, un countdown sur Channel 4. C'est ça. En Grande-Bretagne. Mm. Quel avait été votre parcours, votre résultat lors de votre passage? Alors là, une manche, c'est un match. On fait pas. Le match se fait en une manche. Oui, oui, c'est ça. Et là, j'ai gagné deux fois. Deux fois. Donc là, c'était en 2004, j'avais 18 ans. Ouais. Donc j'aurais dû perdre le premier et j'aurais dû gagner le troisième. Mais bon, c'est comme ça que ça tombe. D'accord. Bon. Bon, ça dure une demi-heure aussi à peu près? 45 minutes. 45 minutes. Ah, oh oui, 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 ils font 15 coups. Oh là, ouais. Sans duel en plus, mais dites donc. Sans duel, ouais. Oui, c'est ça. Nous, vous savez, on a 12 coups, les deux sprints et puis les deux duels. Ils marquent plusieurs pauses entre les tours. Ah. Ah, d'accord. Bon, on a compris. nous, il n'y a qu'une pause. Hein. Ça y va. Hein. Et là, il faut qu'on continue. Hein. Voici les chiffres. 2, 4, 10... 7, 25 et 1. 876. Jeff. Le compte est bon. Bernadette. Également. Allez-y, Jeff. 10 sur 2, 5. 5 fois 7, 35. Que multiplie 25, 875 plus 1, 876. C'est ce qu'avait fait Bernadette. Très bien. Ouais. Pas de grande difficulté sur ce compte. Non. Les 10 points supplémentaires. Bernadette, ce qui vous emmène à 73 points actuellement. Du côté de Jeff, 53 au compteur. Allez, encore 4 coups à jouer les épreuves de sprint. Et puis surtout, le deuxième duel, le voici. Oui. Ariel va vous proposer, Bernadette et Jeff, un duel normand. Oui, absolument. 40 ans dans la Manche. Je me demandais ce que vous alliez dire. Vincent Gendreau l'a envoyé. Il s'agit d'un duel traditionnel. Deux mots grâce aux 10 lettres. Il faut trouver le prénom et le nom d'un chanteur américain disparu très jeune. Il y en a eu plusieurs, mais bon, voici le tirage, c'est pas drôle. B-I-C-U-K-R-O-N-T-A. Bernadette. Kurt Cobain. Bravo. Ouais. Kurt Cobain, effectivement, qui est né en 1967, qui était un petit garçon qui allait très très bien jusqu'à ce que son papa et sa maman divorcent. Et alors là, ça a été le bazar, une vie très chaotique. Il a été ballotté d'un bout à l'autre des États-Unis, d'ailleurs entre ses parents, ses oncles, tantes, etc. Et il s'est réfugié dans l'art et plus précisément dans la musique. Et il a créé Nirvana avec Krist Novoselitz. Succès immense, très grosse pression médiatique et il était quand même assez fragile, il a eu du mal à supporter, il s'est plongé dans l'héroïne avec sa femme
Courtney Love. Et vous savez qu'on l'a retrouvé au-dessus de son garage. Bon, il s'était échappé d'une cure de désintoxication. Il avait une overdose et il s'était tiré une balle dans la tête. Alors, il fait partie du club, pas très fermé malheureusement, 27. Puisqu'il est mort en 94, de tous ces jeunes musiciens qui sont morts. Janis Joplin, bon, qui en faisait beaucoup plus hein, quand on imagine. Jimi Hendrix et la dernière Winehouse, Jim Morrison, etc. Voilà, Kurt Cobain avait 27 ans également. Ouais. 27 ans, 94, oui. Ouais. Bon. Et il y a un très beau film de Gus Van Sant, donc romancé, hein, sur les derniers instants justement de Kurt Cobain. Ouais. Last Days. Last Days. Merci. Kurt Cobain, le leader de Nirvana. Donc, Bernadette Abezé nous a donné la bonne réponse sur ce deuxième duel. 5 points de bonus pour vous. La pause, c'est maintenant. Et on se retrouve dans un instant. Ce programme sera diffusé en audio description. Un piège ? Quel piège ? Tu as toujours été sentimental. Ils ont la jalousie et les secrets en héritage. Pour la succession, on attend la mort de la reine. J'ai pas tellement envie du pouvoir. On dirait que le fils peut tuer sa mère. Je veux protéger les intérêts du groupe. Et moi, je sers à quoi dans tout ça ? Personne peut me demander d'y renoncer. Personne, vous m'entendez ? Dans le clan des Lanzac, la guerre de succession est déclarée. Fanny Ardant, Muriel Robin, dans la saga de José Dayan, mardi à 20h45 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission, affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner. Montrez à vos amis que vous êtes le meilleur. Une seule adresse, dcdl.france3.fr. Et c'est reparti pour ce beau match. Ça s'appelle comme ça, entre Bernadette et Jeff. C'est une troisième manche. Et Bernadette a démarré très fort. Vous menez, Bernadette, actuellement avec 25 points d'avance. Ça peut basculer, en tout cas, ça peut se resserrer d'ici la fin de ce match, parce que 25 points d'avance, et au total, ce sont 50 points qui seront joués d'ici la fin de cette émission. Voici le mot le plus long. C'est Jeff qui choisit. Consonne. T. Voyelle. E. Voyelle. A. Consonne. M. Voyelle. E. Consonne. V. Consonne. P. Consonne. F. Consonne. R. Et voyelle. I. Jeff, 7. Bernadette. 7 également. Le 7 de Jeff. Et tombé. Oui, c'est percer des trous dans un fer à cheval. C'est le maréchal Ferrand, bien sûr. Voilà, on rectifie à la forge. Mais voilà, avec les tempes, donc, c'est un outil. Bernadette. Un poinçon. Empâté. Oui, très bien. Mais beaucoup de 7. Alors là, il y en a. Tarifé, matière, piraté, mais pas mieux. Vampire. C'était le maximum. Oui. Parfait. Voilà donc 7 lettres maximum sur ce tirage. C'est ce que vous marquez, Jeff et Bernadette. Le compte est bon maintenant. 4, 25, 9, 3, 10 et 75. 976.
Bernadette. Le compte est bon. Jeff. Non. Bernadette. 75 plus 25 égale 100. 10 fois 100 égale 1000. 9 moins 3, 6. 6 fois 4, 24. Et 1000 moins 24 donne le bon compte. La conclusion de tout ça, c'est que Bernadette a retrouvé ses talents en chiffres, alors que Jeff, lui, c'est pas son jour. C'est vraiment les vases communicants. Ouais. On applaudit Bernadette. On encourage Jeff. Et c'est vrai que là, 13 fois 75, on bon. Il était tellement tentant. Ben oui. Non, je n'étais pas. Non, ben justement, il ne faut pas, se laisser tenter. Voilà, ça vous apprendra. Ouais. Ne succombez pas à cette tentation. Les points donc pour Bernadette avec 10 points supplémentaires. Et le mot le plus long maintenant qui vient, c'est Bernadette qui va choisir une consonne ou bien une voyelle. Consonne. P. Consonne. R. Voyelle. E. Voyelle. A. Consonne. F. Voyelle. E. Consonne. D. Consonne. M. Voyelle. E. Et voyelle. U. Ça va être court, hein, Jeff, hein, je crois. Cinq. Ouais. Bernadette. Huit lettres. Avec. Épaufré. Oh, oui, oui. Oui, absolument. Oui, oui. Là, souvent, d'ailleurs, éraflé. C'est éraflé, corneille, ouais. Pierre de taille, ouais. Par maladresse. Hein. Alors, il y avait quelques, enfin, quelques huit lettres. Il y en avait trois. Émeraude. Hein. Oui. Parfumé et parfumé. Qui protège départ, de la fumée, ouais. Qui canalise la fumée. J'ai cru que c'était la réforme d'orthographe qui avait encore frappé. Oui. Ça y est, il a fallu le contenir parce qu'il était prêt. Oui, il s'est énervé. Il peut même devenir violent parfois, oui, oui, dans oui, ces oui. cas-là. Hein. Et ben non. Il y a un trait d'union entre part et fumée. Voilà. Parfumé, c'était le 9 lettres. Vous étiez à 8, Bernadette. C'est donc vous qui allez marquer avec épaufré, point supplémentaire, un peu plus d'avance. Et l'espoir qui s'éloigne un petit peu pour Jeff dans cette troisième manche. Voici un coup de chiffre, ce sera le dernier d'ailleurs. 5, 3, 25, 7, 10, 100, 538. Bonne nouvelle, Jeff. Ah oui, compte est bon. Ah ouais. Et Bernadette ? Le compte est bon. Allez-y, Jeff. 100 fois 5, 500, plus 25, 525, plus 10, 535, plus 3, 538. C'est ce qu'avait fait Bernadette, bien entendu, et nous tous, non, même pas. Vous, non, vous avez fait comme... Non, Laurent, oui, comme Renardo. En 3, 107 fois 5, 535. Je prends comment ? Plus bien. 3. Bien. Ah bon. Très bien. Je n'ai fait aucun commentaire. Ok. Non, 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 vous n'avez rien dit. C'est vrai. Ouais, les points pour nos deux candidats, 10 points supplémentaires. Il l'avait, ce 538, bien sûr. 10 points de plus et gros score du côté de Bernadette. Ouais, ouais. 113 à 70. Ouais. Fin de cette manche, là, dans quelques secondes. Voici le sprint final. Deux fois cinq points mis en jeu tout de suite. Mené dans cette troisième partie de jeu, c'est Jeff. Vous allez donc choisir, Jeff. Sur quoi jouons-nous ? Les chiffres. Mmh. Allons-y pour un bon compte à découvrir. Voici les six plaques pour vous y aider. 25, 7, 5, 9,
9 et 4. 363. Oui, allons-y, Jeff. 9 et 5, 14. Que multiplie 25, 350. 9 plus 4, 13. Que j'ajoute 363. Bravo. Bien sûr, pour ceux qui nous découvrent comme ça pendant l'été, ça se fait de tête tout ça, c'est du calcul mental, hein. Ils n'inscrivent pas du tout. Il faut être rapide, et là, il a été rapide, Jeff. 5 points pour vous, Jeff, ça réduit un petit peu l'écart. Bernadette a eu le temps de réfléchir, sur quoi souhaitez-vous jouer pour cette deuxième épreuve de sprint, Bernadette? Je continue de préférer les lettres. D'accord. Allons-y avec un 10 lettres à découvrir. S-I-R-E-L-E C A N T. Bernadette. Éclairante. Ah non. Ah non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de. Il y a qu'un seul si, A. Si, oui, deux mais, si, si, éclairante existe, mais c'est centralisé. Il y avait un seul A. Ah, oui, éclairante existe. C'est dans oui. Ouais. Voilà. Bon, refusé. Proposition refusée, Bernadette. Et donc les 5 points. Voilà, bah, ça devient, ça équilibre hein, sur la dernière épreuve de sprint, sur ces deux épreuves de sprint, mais pas sur le score final, puisque vous le voyez. Troisième manche, 113 à 80. C'est donc Bernadette qui remporte aujourd'hui une troisième victoire. Bravo Bernadette. Et pour Jeff, cadeau s'il vous plaît. Les éditions Le Robert vous offrent le petit Robert et son carnet d'écriture, son coffret numérique ainsi que le Robert des jeux de lettres et les grilles de mots croisés du petit Robert. Voilà. Et puis un petit peu d'argent également, puisqu'il a remporté une manche. Hein, oui, mais alors c'est compliqué, ah, oui. Parce que justement, c'est des euros. Quand on donne à Bernadette ou quand on donne à un candidat italien, c'est la même monnaie. C'est vrai, mais là, il va falloir convertir. Alors, bah oui, il trouve toujours de bons arguments, il se les garder pour lui. Mais Jeff vient faire des tournois en France, il va les dépenser. Il va falloir attendre que la Grande-Bretagne entre dans l'euro, donc dans 150 ans. Je vous rassure, je vais réinvestir l'argent dans l'économie française. Ah, ça c'est sympathique, alors très bien. Vous aurez vos 100 euros. Merci, on a été mais absolument ravis de vous avoir reçu ici sur le plateau. Une modification du règlement pour Jeff, il n'aura pas à attendre 3 ans pour revenir nous voir, je pense. Hein. Possible. Très bien. Un petit message à passer Juste voilà. Un petit coucou à tous les gens qui font les tournois en Angleterre ainsi qu'en France. Donc les gens à Paris, à Épernay, à Lyon, entre autres. Et certainement pour les jeunes qui suivront le jeu et peut-être encore à bientôt. Très bien. Mais en tout cas, vous êtes un excellent ambassadeur de notre jeu en Angleterre. On l'a bien compris. Merci et bravo encore, Jeff. Bravo également à Bernadette qui vient de remporter sa troisième victoire face à Bernadette. C'est Ludivine que nous retrouvons. Ce sera non pas demain, après le week-end. On se revoit lundi sur France 3, sans faute s'il vous plaît. Merci.